Voilà, que je n'en voulais pas, que ça fait partie du jeu et que bah, c'est tombé sur lui, mais ça aurait pu être autre. Je sais que venant de lui, il n'y a aucun problème parce que c'est pas un joueur méchant, mais c'est vrai que j'ai eu peur et j'ai pensé à la Coupe du Monde. Est-ce que Didier Deschamps a pris des nouvelles, Johan? Il m'a dit Stéphane qui m'a laissé un texto et voilà, je rassure tout le monde, je pense que ça ira. Moi j'ai été rassuré parce que je savais que j'avais pas de fracture. On verra comment ça va évoluer, mais le doc m'a déjà dit que bon, ça n'allait pas être très très méchant. Alors finalement, vous n'avez pas énormément joué depuis votre arrivée au Paris Saint-Germain, Johan. 21 matchs, 9 fois titulaire en Ligue 1 seulement. Est-ce que c'est un mal pour un bien d'arriver peut-être un peu plus frais que les autres au Brésil? Oui, bah, voilà, après, en même temps, je le savais, arrivé en janvier, on sait que c'est difficile. Une équipe qui a joué 6 mois avant moi, donc voilà, j'ai accepté ma situation, je me concentrais simplement sur les choses positives, mais bon, j'ai quand même fait 21 rencontres, comme vous l'avez dit, ces derniers temps j'ai beaucoup discuté, donc voilà, le coach Deschamps a dit, enfin, parce que j'avais lu que pour lui, bah, c'était suffisant pour lui, et il préférait ça à ce que je fasse tous les matchs et que j'arrive à cramer pour le mondial. On revient sur le match d'hier, justement, vous avez établi un nouveau record de points, c'était aussi l'un de vos objectifs après le titre. 86 points, un nouveau record. J'imagine que pour vous, c'est aussi une fierté, plus du titre de la Ligue. Son deuxième doublé à Johan Cabaye.